Qu'est-ce qu'elle dit? C'est dans quel quartier? Ce que je regarde là, elle ne m'avait pas encore répondu. Voilà, elle dit derrière le lycée bilingue Colmé 5. Quand on va tout gras derrière le lycée bilingue. Tu sais, moi j'ai un souci avec certains quartiers de la ville. Hein. Il y a trop de poussière là-bas, particulièrement à Colmé 5. Et je pense qu'il y a aussi trop de cassis. Donc c'est mieux qu'on va en taxi. Comment ça en taxi? Moi j'ai dit à mes copines que je venais avec toi et tout le monde sait que tu es véhiculé. Qu'est-ce que tu veux me faire là? Toi, s'il te plaît, on va pas bousiller la voiture pour plaire à tes copines. S'il te plaît, descends, on va aller en taxi. En bas, la voiture, je ne peux pas marcher en voiture. The couple, on dit que the couple, tu as dit que vous êtes assorti, j'ai le mot, le dame, c'est assorti, the couple, la récée. Hé, hey, arrête-moi ton babadage là, tu fais quoi ici? Hein? Tu fais quoi dans les secteurs ici? Dans les secteurs? Ah oui, c'est que, entre temps donc, tu vois non, comme moi je suis un cogiteur, un sophos, un logos, un bogos, tu vois un peu non. Moi je pensais la vie, et tu viens de dire, moi je suis un architecte de la vie, tu vois un peu non. Moi je marchais donc c'est que... Top! Arrête-moi tes embrouilles là, je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans les secteurs ici, qu'est-ce qui t'a amené ici, bien tu le vois soit ici. Non, il y a un petit frère là que je voulais voir, bon, quand j'ai donc vu qu'il ne pouvait plus le voir, j'ai donc voulu oui, marcher. Ça. Tu viens voir un petit frère dans les secteurs, bien tu l'as vu ici là. Bah, jamais hein. Non, 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 parce que moi je fais quoi ici. Et là tes marches t'assises seulement dans le secteur ici, j'espère que faire comme tu as vu la maison, c'est comme tu n'as même pas vu ça, voilà ça qu'elle dit. Tu venais voir un petit frère, n'est-ce oui, pas oui. Tu n'as pas pu le voir, tu retournais, non. Retourne-toi, tu parles. Je vais juste te dire qu'il était vu. On se voit à la maison. Donc moi, retourne alors. On se voit à la maison. Ok, non, on va se voir à la maison avec les passeports, les visas là. Parce que moi, je vais tout parler ça, que les gens aiment te faire le faux. Bébé, tu vois, c'est pas poli de faire partie ton frère comme ça. Est-ce qu'Albi vient, s'il te plaît? Tu m'appelles pourquoi? Est-ce qu'il savait quand il devait nous rencontrer ici? Le voyageur, Max, le voyageur, le voyageur, il fait le décalage pour toi. Il faut écouter ton homme. Parce que dans la Bible même, c'est écrit selon Escalibur 237 au niveau du verset en descendant. Quand tu remontes en amont, hey, pardon, laisse-moi un peu tes conneries là. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre le taxi avec ici. La recette, le voyageur. Prends le taxi. Laisse, tu vois ça chaque jour. Calme-toi. Tiens. Mais c'est seulement pour prendre le taxi comme ça. C'est pour le taxi, laisse-moi parler. Tu n'aimes pas les dépenses inutiles. Ok, bonne journée. Max, le voyage. Il faut garder pour les autres à la maison. Bouge avec ça là-bas. Pas. Allons-y. Bouge là-bas. Et là, comme la casserole. Ce copain. Quoi à la maison aussi? Ça, c'est le genre de piole que. Tu t'amuses ici là à minuit, non? Il y a une mère et son enfant qu'on a tué dans la sorcellerie. Il s'est réveillé, c'est Marc. Moi, j'avais dit que n'ancre pas ici là. Comme toi, tu parles là.
Tu vas entrer ici là. Voleuse. Marche aux voyageurs. Moi, je vais te traiter. Toutes les positions, je te trouve, non. Le gouvernement, là. C'est un peu important. Voisin! Eh! Quand je te vois dehors comme ça, c'est comment, voisin? Bonjour, bonjour. Les musclés du Kansi. Eh, les muscles là, il faut m'aider à travailler, tu vois. J'ai le potentiel, mais je n'ai pas encore quelqu'un qui va m'aider à travailler. Petit, tout ça. Petit, oui. Tu fumes dans l'histoire, mon cousin. Attends, qu'est-ce qui vous arrive? Tu quittes de chez toi, tu viens là, tu me touches, Ton ami! Mais c'est le scénario, c'est la relation de bon voisinage. Je ne veux pas une relation de bon voisinage. Depuis que tu es arrivé là, je ne pense pas que je me suis placé là pour te parler. Justement. Donc je veux, et quand je parle, tu la fermes. Je ne m'écoute plus jamais. Donc je ne veux pas que tu te places là, on échange rien ensemble. Donc tu prends tes pieds, tu pars. Je n'ai rien à causer avec toi. Voisin, c'est que en fait, je viens me m'asseoir ici pour te parler de la Lova. Donc comme tu es en train de faire le bruit là, c'est un truc important pour toi. Donc toi-même tu sais de quoi je parle. Oh, quand on vient te verser un bon truc comme ça, tu veux me faire, en fait, tu sais comment? C'est dit. Oh. Je vois que quand je pense, parle, quand il pense qu'il y a, les gens me supplient pour avoir le versement du truc. Et... Quand je parle, je vois que ça entre, ça sort là. Comme blague, on ne s'amuse pas. Quand moi je parle une fois, je ne me répète pas une voisin, fois. Je sais, c'est que c'est pour ton bébé. Si tu es encore là? Ça va. Va chez vous. Oui, je pars. Ça va. Attends un peu, qu'est-ce qui arrive aux gens? C'est peut-être parce que je ne tue plus. Mistakes we learn and we grow. If we don't try, we'll never know. You and I, can we make something beautiful? You and I, whichever way the wind blows, I don't mind. To the times before, you and I, forever. You and I. Voilà, maintenant dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu faisais dans le quartier de Max? Qu'est-ce que tu faisais dans le quartier de Max? On se connaît. Parce que si tu es parti dans le quartier de Max, que tu partais fouiller un peu sa maison là. Je ne veux même pas entendre que tu es passé au niveau des 5 mètres 50 de Max. Hein? Faut pas déranger le gourou. Le gourou. Hein, c'est le gourou, non? Oui. Comment tu viens me déranger en pleine méditation? Bref, entre-temps donc. Moi, je t'explique. Tu viens me parler de Max. Moi, il fait quoi avec sa maison? Il ne connaît pas sa maison. Moi, je t'ai dit que la dernière fois que tu m'as vu là tout à l'heure même, je marchais moi mes routes. Il y a un petit frère que je devais voir. En quittant donc sur le chemin de la route, je me suis rendu compte que comme je le cherchais, je ne pouvais pas le trouver. Moi, j'ai donc décidé de rebrousser chemin. En fait, j'ai donc décidé de continuer donc pour essayer de découvrir la nature. Je suis un maître yoga. Tu es un de toi. De toutes les façons, je te répète, je te le redis, si j'entends que tu, dans tes marches de gourou là, tu es encore passé dans le quartier de Max, tout le monde aura les gros problèmes. J'ai compris, chef. Bref, laissons tomber le côté là. Donne ma côte pas. De l'argent. Ouais, quel argent ça veut dire quoi? Donne ma côte pas dans ce que tu as pris tout à l'heure. D'abord que, donc tu fais, on enlève un gros 30 000 dans l'argent qu'on devait me donner. On te donne, jusqu'à ce que tu viens me sortir les yeux, je sais que quel argent. Ah, l'argent. Voilà. Entre-temps donc, voilà ce qui se passe. Sur le chemin du retour, comme moi je suis en train de rentrer, que je reviens ici là, blam, qui voyage en route comme ça là, au milieu de la route, tac, je tampole Muriel Blanc. Elle est dans les situations, elle n'a pas l'argent pour payer le taxi. Merde, j'ai dit que je ne peux pas laisser une beauté pareille. Tu restes comme ça là que le taxi va la déranger. C'est comme ça que je paye son dépôt. Rang, je me retourne comme ça là, hi, je vois Poupi. J'ai dit que Poupi il y a quoi? Je vois Poupi avec mon stylo charismatique. Les gars sont là qu'ils s'amouragent, ils sont en train de manger ça, ils sont en train de boire l'eau aussi, ils sont en train de boire la bière aussi. Je dis que merde, je ne peux pas laisser comme ça, on vient leur déposer une facture. Les gars comme ça, ils n'arrivent pas à gérer. Je gère ça une fois, paf, j'avance là-bas. Et Benezor, il a fait l'accident sur la moto. Il l'a amené à l'hôpital. Tout ton jacassement là, c'est pour me dire que tu ne me donnes pas ma côte par. Non, ce n'est pas que je ne te donne pas. C'est pour te dire que non. J'ai fait un investissement à long terme, tu comprends, non? Sur les grands, sur les artistes, non? Bientôt, non? C'est-à-dire que quand ça va revenir, ce sera la magie, c'est bon. On va toucher ça. Bref, non.
Pour le moment, là, il y a un peu de... Tu ne vas même pas me gâter la journée. Tu comprends, à la fin de journée, c'est là, tu ne vas pas me la gâter. J'ai passé une très belle journée. Et pour ce faire, je vais donc t'annoncer. Mets ça bien dans ta tête. Écoute bien avec tes oreilles. Le prochain business que toi et moi, on aura à faire, même si ça donne 100 millions, tu n'auras même pas 100 francs. Tu vas finir de travailler, même 100 francs, je ne vais pas te donner. Reste bien, il faut bien rester. Voilà ça qui est fait. Tu fais comprendre. Au cœur, c'est pour pomper le sang. Ok, pompon. Mais comme alors on dit un peu le seul. Tu veux devenir qui? En son nom. En son nom. N'est-ce pas, c'est toi qui m'as aidé à faire les marches partout, partout, supporter sa grosse lettre et tête partout. Non, non. Je suis pas comme ça de la banque. Et j'ai pu retirer. Ok, merci. D'accord, bisous à toi. L'argent. Cap. L'argent. Je veux aussi briser d'eau comme papa et tout. Voler dans les grosses caisses comme un coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Morning. Enfin, je vais refaire ma garde-robe tout à l'heure et préparer un magnifique mbongo. Je fais même quoi ici.